Bonjour et bienvenue sur Refugee Joueur, ici l'expédition 4, partie 1. J'ai perdu tous mes enregistrements vocaux, merci la mise à jour. Voilà, voilà. Donc je m'étais donné un petit défi pour cette expédition-là en particulier. Je me suis décidé de prendre les champions que je n'ai jamais utilisés, que je n'ai pas utilisés en expédition. Donc, je voulais vous montrer un peu mes cartes. Oh, regardez pas Israël, je me suis trompée comment ça s'écrivait. Mais en gros, je voulais vous montrer un peu mes decks avant de lancer l'expédition. Alors, au pays des beaux gosses, j'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce qu'il y a. Fais-moi bobo, je vous cache un peu mon deck. Le froid d'Israël, je fais quand même la combo H-Israël, qui permet d'être bien. Les pires ennemis. C'est pas facile à dire. Vous en doutez, si vous voyez Darius, Garen et Timogins au rapport. J'ai pas besoin de vous expliquer. Hop. Je paye le jeton. Allez. Je me sens ridicule. Allez. Tentative A. J'adore. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu obtenir des récompenses pour votre meilleure tentative. Si tu fais... Je dis tu, c'est vous. Hein. Si vous faites 5 victoires et de l'autre côté 6 victoires, on les additionne pas, ça fera pas 11 victoires, mais 6 victoires. Et ça, c'est dommage. Voilà. Donc, Trinamer, je l'ai déjà fait. On l'oublie. Zou. Donc là, c'est juste Yeti en singe, je ne le connaissais pas. Il est apparu à la dernière mise à jour qui se trouvait dans le 17 mars, si je me trompe pas. Voilà. Timo, je l'adore, je le jouais. Mais un petit problème, les cartes à côté, je les aimais pas. Donc je pense que j'ai pris Elise. Avec Sensation Rampante et Vil Festin. Voilà. Alors voilà. Alors, j'avais déjà fait Darius et Zed lors de la première expédition, si je me trompe pas. Donc, j'ai pris Lucian. Alors, on dit Lucian ou Lucien. Ça dépend comment... Voilà. Comme tu veux, en gros. Hop là. Voilà. Alors, je me suis dit aussi qu'il fallait pas que je prenne Noxus. Ça... Et pas Naxus. Noxus, parce que même s'il y a Ruse, même s'il y a Volée Mortelle, qui sont des cartes extrêmement fortes, Ruse ici, qui est fort aussi, ça empêche la meilleure jouabilité des decks. C'est très bien d'avoir que deux lieux. Combat singulier, c'est très très fort. Ah, voilà. J'avais dit non, pas ça, pas ça. Voilà. Et là, j'ai eu un peu de chance. Je vois qu'il y a Senna. Et deck Lucienne. Sans Senna, c'est... en gros, c'est un hamburger sans sauce, quoi. C'est fade. Tu peux mettre sans sauce, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même mieux avoir Lucian et Senna. Voilà. Après, je me suis dit aussi, vu que j'ai Elise, il faut que j'ai des araignées. Donc les araignées, c'est pas mauvais avec Elise. De toute façon, on joue avec Elise avec les araignées. Oh. C'est comme un Magic, hein. Si t'as envie de faire un jeu chat et au final tu prends que des chiens de chasse. Je crois que c'est loupé, hein. Avec Brimaz.
C'est un vieux chat de Terros, première extension de Terros. Avec. Je sais plus s'il est dans Terros, créature du Nyx ou le troisième, je sais jamais. Je sais plus c'est quoi les extensions, mais c'est pas grave. Offrande fraîche, c'est quand même fort. Ça, quand même, ça nous met quand même une 6-6 redoutable, si je me trompe pas. Mais il faut quand même avoir 3 alliés qui meurent. Donc, c'est qui tout double, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et le cuistot, je le déteste. Il est fort, ça je le cache pas, mais je le déteste. T'es difficile, hein? Ouais. Comme toutes les femmes. J'aime bien le crocolite. Même si je dis crocodile, c'est crocolite. Il est très très fort. Tu sacrifies 2 pour 4 et c'est une 7-7. Mais je pense que Senna, rajouter un peu de sauce à mon banger, je crois que c'est pas mal. Alors, n'hésitez pas à mettre quelques défis en commentaire, du genre, je vais dire une bêtise, si possible faire une expédition mono-région, il n'y a pas de problème, vous pouvez me lancer ce défi-là. J'essaierai de le faire, parce que quelquefois ça veut pas le faire. Voilà. Ou prendre que la partie de gauche, ou que la partie du milieu, ou que la partie de droite. Il n'y a pas de problème. Lancez-moi des défis. J'attends que ça, faire des défis. C'est pour ça que je voulais l'appeler l'expédition 4, le défi champion. Mais si vous avez des idées de défis, même au niveau des decks... Il n'y a pas de problème, vous les mettez en commentaire et j'essaierai de faire. Je vous promets pas que ça va y arriver, mais je ferai tout mon possible que ça arrive. Ah, Tiana, qu'est-ce qu'elle est forte, Tiana. Est-ce que je rajoute de la sauce ou pas? Et yeah! J'aime bien aussi. Voilà. Et c'est exactement la même personnage. On a Cynthria et la nain, je sais plus c'est quoi. Et la vaillante, c'est la même personnage, mais c'est pas les mêmes cartes. Voilà. Mais il y a que les champions qui évoluent, et c'est dommage. Bah c'est bien, hein, faut bien que les champions évoluent et tout ça. Mais voilà, autant changer Cynthria, change de nom. Bah voilà. Ah, l'échange. Oui, il y a Barrière qui titille. Ah, mais je fais pas d'échange, ok. Alors. Ah, et il faudrait que je me bouge un peu les fesses, hein, 8 minutes pour faire un draft. Hein. Chaque champion a sa propre façon de gagner des niveaux et devenir une légende. Ouais. Après, il y a des champions... Je voudrais pas les voir en légende. Pas parce que ils seraient nuls et tout ça. Non, non. Je pense à s'ils rajoutent des champions et tout ça, version Vegar, j'aurais très peur de... Du Vegar légende. J'aurais très très peur. My gaming name. Oh, c'est génial. Voilà. C'est une très belle combo, le... Ezreal Timo. Très très belle.
Voilà, je pense à Warwick, non, ça serait pas un dangereux légende, je pense pas. Il aurait une intimidation redoutable, de sûr. Mais bon. Après, il a vol de vie de base. Le petit Warwick. Repoussons les ténèbres. Après, je parle des champions que j'aime bien personnellement. Comme Voici ma Warwick. compassion. Voilà, Rengar. J'imagine pas Mundo, quoi. Docteur Mundo. Ah, par contre, sur cette image, parlez-en en commentaire. J'ai l'impression que Senna a balayé dans le cul. En parlant d'elle! Si les champignons En pouvaient parlant du loup, parler. Il accourt! Je te protégerai toujours. Ne t'en fais pas pour moi. Voilà. Mais mort de Kaiser, ça serait génial. Kyle et Morgana. Oh punaise. J'imagine même pas dans Runeterra avec Kyle et Morgana. Oh, les pics vont se faire. Oh. Déjà, il y a ces Joanie qui serait pas mal avec H. Ces Joanie et H, ils ont une histoire presque commune. Et c'est, ça fait un peu méchant. Embrasons les ténèbres. Là, je vais prouver à Falrib que les filles sont meilleures que les hommes. Parce qu'une 3-2 première frappe et une 4-2 pour la fille, c'est quand même mieux les femmes. Voilà. Il rigole. Pour ceux qui comprennent pas cette référence, c'est que on a fait une découverte Feria et il m'a lancé un pic envers les femmes. C'est normal qu'une femme a 4 points de vie et un homme 20 points de vie. Ah, c'est pas bien passé, hein. Mais bon. C'est des petits pics qu'on se lance, je sais très bien qu'il pense pas, mais moi je le pense. Ignoble monstre! Ah, je vois que c'est une petite erreur qu'il a fait. Maintenant j'ai double frappe avec Senna. Et en plus je peux détruire son pondeur champignon. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. Tac, 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 tac. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un sacré bug au niveau sonore, où on entendait les champignons arriver à foison, alors qu'il n'y en avait qu'un seul. Et ça fait peur sur le coup. Ça fait extrêmement peur. Oui, j'ai l'éclaireur Griffon. Oui, j'ai l'éclaireur. Ils ne sauront même pas d'où ça venait. Mais bon. Il paraît qu'ils sont bons. Je relance un clip, c'est bien. Jamais un éclaireur de bundle. Ah. Timo, il a dit c'est bon, j'ai compris, je suis mort. Ta 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 ta. Au final, à ce champignon. Oui, on a plusieurs à cause de l'électrogramme là, l'électromat, le 2-4 là. Je sais jamais comment il s'appelle. Le chemin fut long pour en arriver là. Ouh, s'il a rien pour bloquer ça, il est mort. Mais la 3-2 aussi, TLB. Oui.
férocité, il peut bloquer que la 6-6. Et vu que je fais 12 déjà avec Senna, ça fait très mal. Ah, bah voilà, j'ai gagné. Sur ce, sur cette victoire en commentaire, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, zou !